Jonathan Pinchot, album oui. DVD jeunesse, félicitations. Merci. Tu reçois le prix, entre autres, pour ton frère. Ben, pour mon frère et Joran et la gang au complet. Ouais, et toutes les interprètes. Ouais, ouais, tu me disais un peu plus tôt que tu fais partie de la génération qui a vu le film original à sa sortie. Parle-moi un peu de ta collaboration, de ce que tu as fait pour la trame sonore, puisque ce que ça t'a fait ressentir de faire partie de la nouvelle version, dans le fond. Ben moi, écoute, j'ai tout de suite eu j'ai eu le scoop longtemps avant que le film soit fait, parce que bon, Éloi, mon frère, s'est fait approcher et Joran, sa conjointe, fait que tu sais, ça a été comme un peu, tu sais, dans les secrets de famille longtemps avant le film. Okay. Puis c'est sûr que, disons, tu sais, je le cacherai pas, tu sais, j'espérais fort que Éloi me tague la main, que je puisse entrer dans le ring pour celle-là, parce que ça me faisait j'avais vraiment envie de participer de ça. Puis quand j'ai eu le go, puis qu'en plus, sur une chanson qui s'appelle Les Héros, qui est une chanson qui ressemble beaucoup, en fait, qu'est-ce que je fais, je pense que c'est je me sentais vraiment à l'aise de chanter ce tune-là. J'avais pas l'air d'un imposteur, tu sais. Fait que, puis c'est le fun. Écoute, c'est une des chansons que le public c'est le plus approprié dans toute l'aventure. Puis ça a été un honneur, vraiment, vraiment un grand honneur pour moi. De pouvoir montrer ça à ta fille aussi. Bien, c'est sûr, regarde, écoute, on a eu des advance copies avant que le film sorte. On est la journée de la fête de ma fille. On a reçu une copie, fait que, tu sais, bonne fête, ma fille, on va écouter La Guerre des Tuques avant papa. Tout le monde. Après, on est allé à la première. Écoute, j'ai gagné des gros points de paternel, là. Ben, pourquoi pas? Fait que, tu sais, regarde, ça, c'est pas payant avec des dollars, mais c'est payant avec des signes de cœur. Fait que c'est aussi bon. C'est un projet que tu referais éventuellement, à ton avis, ou c'est quelque chose qui t'a... C'est-tu seulement une seule fois, puis après ça, c'est fini pour toi, ou c'est quelque chose qui t'a vraiment intéressé, faire partie de la trame sonore d'un film? Ben écoute, ça, c'est le genre d'affaires. Je sais que mon frère en fait beaucoup. Okay. Moi, je suis un peu moins sollicité. Je suis un peu moins vraiment dans ce. Tu sais, je suis plus un peu dans une lignée d'auteurs-compositeurs. Mais tu sais, c'est sûr que si une demande venait vraiment ou d'écrire des chansons au complet pour un film, je pense que j'aurais peur au début, mais je pense que je serais à même de relever le défi. Un concept intriguant, dans le fond. Oui, vraiment. Cool, ben je te félicite. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.